Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, moi très bien. On est là aujourd'hui pour tourner à la vidéo PAL du mois de juin. C'est ça, juin. J'étais en train de douter. 2022, pour ceux qui regardent en quelques années plus tard, voilà. Du coup, je vais vous présenter. J'ai pris 4 livres. Il y a 2 LC et 2 livres que j'ai mis de moi-même. Voilà. J'ai même pas fait de sondage cette fois-ci. Sur Insta, voilà, je vous mettrai juste ici si ça vous dit d'aller me suivre. Des fois, je vous fais les derniers, enfin, les parfois j'hésite, j'ai ma gourde qui tombe. Voilà, je vais la remettre là parce que moi je vais la faire tomber encore plus. Voilà. Et du coup, si j'ai pas fait de sondage parce que je savais ce que je voulais, et j'ai mon PC qui rouspète. Bon, laisse tomber. Du coup, on va commencer ça. Il fait tout noir. Vous ne trouvez pas? Je reviens. Un peu plus de lumière, c'est beaucoup mieux. Voilà. En plus, aussi, je fais plein de choses en même temps. Je monte une vidéo là pour le mettre de la semaine prochaine. Voilà, mais enfin, soit. Je monte une vidéo. J'essaie d'utiliser mon portable. Bon, on va s'occuper de la palle. Du coup, j'ai pris Touche, Douche, Girl, saison 1. Que je vais lire en lecture commune avec je ne sais plus comment elle s'appelle sur Insta, mais je vous mettrai son Insta juste ici. Du coup, on va se lire ça en lecture commune. J'ai trop envie, ça va me faire du bien parce que je sais pas si vous le savez déjà, mais j'ai eu des gros problèmes pendant 15 jours. Je n'ai pas beaucoup lu. Et je me suis dit qu'en faisant des lectures communes, ça va m'aider à reprendre le rythme de lecture. Et du coup, on va faire celui-ci en une semaine. On fait plus ou moins 40 pages par jour. Du coup, je me dis que ça va aller vite. Je pourrais peut-être faire une autre en autour. Je sais pas, je vais voir. Du coup, voilà. Il y aura celui-là dans la palle de juin. Ma deuxième lecture qui commencera aussi. Je sais pas où elle est. Ah là. Si vous voulez, je vais même vous dire les dates parce que j'ai fait ça au crop. Du coup, celui-ci ce sera du 30 au 5 juin. Voilà. Et le prochain que je vais vous montrer, il commence du 20 jusqu'au 7 juillet. Voilà, ce sera La Lettre Écarlate, le tome 1 de Anne Bishop. Mekobine, j'arriverai. Voilà, c'est un gros pavé. On va se le lire en 2 semaines. Voilà, si ça vous dit, je vous mettrai le lien de la personne qui organise sur Insta les lectures communes. Vous pouvez nous venir nous rejoindre. Vous dites, vous venez de ma part. Et voilà, ça fait un moment qu'il est dans ma palle qui me donnait très envie. Mais je me dis en lecture commune, voilà, c'est de la fantaisie, je pense, la bitlit, action romance, voilà. Et je me dis, ben, pourquoi pas, comme ça, il sera lu et ce sera encore de moins dans ma palle, voilà. Et ça va parler de loup-garou, si j'ai bien compris. J'ai pas trop, j'ai vraiment envie de me plonger dedans. J'en ai tellement entendu parler de ce bouquin que voilà, il me donne trop envie. Je sais qu'il y a des loups, parce que là, si vous voyez la couverture, il y a un petit loup. Je sais pas, j'espère de bien aimer. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Après, pour les deux premières lectures que j'ai choisies, il y en a une que j'ai mis parce qu'il faut que je termine. Voilà, c'est Un palais d'épines et de roses. Il devait être fini l'année passée. Je suis voilà, à la page 290. Je veux le terminer. Du coup, je l'ai mis dans cette palle. Comme ça, si je le termine, ce serait le top. Je pourrais passer à la suite. Parce que voilà, j'ai les autres tomes dans ma palle. Et du coup, voilà. J'aimerais bien continuer à cette lecture. Je pense qu'il m'en manque juste un dans ma palle. Je ne sais pas si c'est pas le tome 2 ou le tome 3 qui me manque. Non, le tome 2, je crois que c'est le tome 3 qui me manque. Voilà, comme ça, si je le termine, bah, ça sera encore une chose de faite. Et parce que c'est quoi de commencer le livre et d'abandonner comme ça? Oh là là, c'est pas possible. J'aime pas ça en plus. Et la dernière chose que j'ai mis dans ma palle, vous l'avez déjà vu sur la chaîne.
C'est un cadeau de Mariette et du coup je me suis dit pourquoi pas le mettre dans cette vidéo. C'est un petit livre, c'est le colloque d'enfer de Karen Marchi. Ça a pris découverte, si ça vous dit, il est à 4,99€, c'est un petit prix. C'est un petit livre, du coup je me suis dit pourquoi pas, ce sera un autre deux retiré de ma palle. Il fait 200 pages, même pas 200 pages, c'est 299, moi je dis 200 arrondi. Je ne sais pas grand chose, c'est juste que c'est écrit petit, c'est le seul truc, le point négatif. Rien de tel qu'un colo irrésistable à... Ça y est, je commence déjà à tousser. Agaçant pour faire de sa vie un enfer. Voilà. L'enfer dans une coloc, pourquoi pas. Et c'est HarperCollins. Voilà, c'est un tout petit. Voilà. Celui-ci, il n'est pas en LC, mais si vous avez envie de venir me rejoindre, je peux faire un groupe sur Insta. On peut voilà, venir ensemble si ça vous dit. Voilà pour mes lectures du mois de juin. J'espère que je vais lire toute cette palle. Voilà, je vais faire ça, ce sera beaucoup mieux pour le petit monstre là. Voilà, j'espère que ces deux-ci, c'est sûr qu'ils vont être lus parce que c'est en LC. Voilà. Bon, je voudrais bien au moins que c'est celui-là, celui-là et celui-là soient lus, les trois là. Je vais faire ça parce que j'y arriverai plus facile. Voilà, que j'aimerais bien que celui-là, celui-là et celui-là soient lus. Si celui-là, je ne le lis pas, c'est pas un grand drame, mais j'aimerais bien qu'il soit lu quand même. Mais voilà, j'aimerais bien au moins que ces trois-ci sortent dans ma palle. Voilà, parce que ça me ferait de la place surtout. Voilà, et du coup, voilà. J'espère que ce petit... Petite vidéo de vous montrer ma palle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un abonnement, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un pouce bleu en bas de la vidéo, un petit commentaire, dites-moi votre palle du mois de juin, si ce que vous avez mis dedans. Voilà, si vous faites des lectures communes, ça m'intéresse. Et maintenant, je vais aller préparer ma palle du printemps, de l'été, ce serait le top. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.